Ah, t'as le dessin. On y va? Oui, un, deux, trois, c'est parti. Hein. Maître Béa, bonjour. Oui, bonjour. Grenade et Madic sans frontières ont été graciés par le président de la République hier. Ils ont été mis en liberté ce matin. Ils sont à votre disposition. Quelle est votre première réaction? D'abord, je commence par remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant, Allah, qui nous a permis de voir enfin ce jour. Je voudrais ensuite remercier vivement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans sa magnanimité, dans sa grandeur, d'avoir gracié mes deux clients, Boubacar Diallo et Madic Condé. Ensuite, je voudrais remercier vivement du fond de mon cœur, au nom de mes clients, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour tout le suivi, pour toute l'attention particulière qui ne cesse de porter sur le respect de la liberté dans notre pays. Je voudrais enfin remercier toutes les personnes qui, dans l'anonymat, qui à visage découvert, qui à visage non découvert, qui se sont battus nuit et jour pour que cette libération soit effective. Sans oublier la presse, tous les avocats qui se sont battus dans cette affaire. Aujourd'hui, ils sont libres. Dieu merci. Je demande qu'on oublie. C'est déjà derrière nous. Ils sont revenus dans la société, ils reprennent leur vie d'habitude pour la construction de notre pays. Je profite humblement, respectueusement, pour demander de nouveau, si je n'en abuse d'ailleurs, à Monsieur le Président de la République, d'accepter, d'accorder son pardon réconciliateur au commandant AOB. Allez. Mon frère. Doucement, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Vraiment. Je vous remercie d'avoir vous les journalistes d'avoir assisté mon processus jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui de recevoir ma liberté. Et je remercie mes parents, mes frères et camarades, et chers citoyens et compatriotes qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés jour et nuit pour soutenir notre liberté, pour soutenir la liberté des pauvres innocents comme nous, des avocats comme le maître Béa, comme le maître Traoré. Et je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à nous et de nous faire comprendre qu'il est conscient par ce qu'il est, par ce qu'il est et dans ce qu'il est. Il nous a prouvé que c'est lui le papa de la nation. Je profite de cette occasion de remercier le ministre de la Justice, les gardes des Sceaux et l'administration pénitentiaire et le médecin en chef et ses infirmières de m'avoir tenu comme un fils, de m'avoir tenu comme un être humain, d'avoir respecté mes droits et de se battre jour et nuit pour mon état de santé, le régisseur en personne sur le pas sur El Bangoura et le médecin en chef, Dr Isaga. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Diallo, qui parlait souvent de ta grand-mère pendant ta détention. Ma grand-mère, après lui, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Et les malades. Madic. Merci beaucoup. Hein. Bonjour papa, bonjour votre pressentiment, s'il vous plaît. Je vais vraiment formuler des plaidoyers au chef de l'État. Je souhaiterais juste avoir votre sentiment. Votre sentiment. S'il vous plaît. Voilà. Accordez-nous juste une minute. Accordez-nous une minute. Merci beaucoup.
Hein? Il s'appelle comment? Mamadou Kondé. Mamadou Kondé. Ok.